Céline Dion est atteinte du syndrome de l'homme raide. Sa sœur Claudette a donné des nouvelles de la chanteuse dans les colonnes du média québécois 7 jours. Alors que sa tournée avait été reportée à cause du Covid-19, Céline Dion était censée retrouver son public le samedi 26 août à Amsterdam. Mais le destin en a décidé autrement puisque le 8 décembre 2022, la chanteuse de 55 ans avait annoncé être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie qui lui provoque notamment des spasmes. C'était à travers une vidéo particulièrement émouvante que l'interprète de I Am Alive avait annoncé la triste nouvelle. Ces spasmes affectent ma vie de tous les jours. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable, avait raconté la mère de René Charles, les larmes aux yeux. Il y a peu de choses que nous puissions faire pour la soutenir dans une interview accordée aux médias québécois 7 jours, la sœur de la star, Claudette, avait donné de ses nouvelles. Céline se débrouille du mieux qu'elle peut. Nous savons que sa maladie est particulièrement complexe à traiter, mais elle est entourée d'une équipe de spécialistes compétents et elle met tout en œuvre. J'ai confiance en cette équipe, ma petite sœur est d'une incroyable force morale et elle va bien, a-t-elle indiqué. La grande sœur de Céline Dion en a également dit davantage sur les différentes manifestations de la maladie. Il y a des spasmes, ils sont impossibles à contrôler. Vous savez, les gens se lèvent souvent en pleine nuit à cause d'une crampe dans la jambe ou le mollet. Si est un peu comme ça, mais dans tous les muscles, a-t-elle affirmé, avant de poursuivre, il y a peu de choses que nous puissions faire pour la soutenir, pour atténuer sa douleur. Claudette assure ainsi croiser les doigts pour que les chercheurs trouvent un remède à cette terrible maladie.